Alors, bonjour, assalamu alaikum, je m'appelle Gabriel Hagaï et je suis rabbin et j'habite à Paris. Alors j'ai été invité à l'occasion du premier forum de l'Association des musulmans de Lorraine à participer sur une table ronde au sujet de la laïcité et surtout la problématique de la laïcité à la française et son rapport avec l'islam et avec la communauté musulmane en général, surtout par rapport à toutes les lois un peu liberticides qui ont été promulguées par l'État français depuis les années 2000 et qui tend justement à un petit peu réduire l'image ou en tout cas la perception ou la présence des musulmans dans le domaine public. Donc l'objectif de mon intervention, c'était entre autres de parler de ma perception de la laïcité en France et en général à l'étranger, du rôle de cette laïcité vis-à-vis de la liberté religieuse. Est-ce que la laïcité en France permet la liberté religieuse? Et une réflexion sur justement le fait que dans la communauté juive, on avait plus de liberté religieuse, par exemple, hein, pour les juifs qui ont vécu dans les pays musulmans, donc sous des gouvernements non laïcs, musulmans, on avait plus de liberté religieuse, on pouvait même avoir nos propres tribunaux religieux, alors qu'en France, dans un pays laïque, occidental, moderne, ce sont des choses qu'on ne peut pas avoir. Donc une réflexion à la fois sur la liberté religieuse et une deuxième réflexion sur la communauté, le communautarisme, un petit peu ce fantasme qu'il y a en France du fait que parce qu'on est d'origine étrangère, on a des difficultés à s'intégrer et parce que nous vivons en communauté, nous ne pouvons pas nous intégrer. Alors il se trouve que ma réflexion a montré que ce sont les communautés les plus fortes où le sentiment d'appartenance communautaire, de tradition, de culture était le plus fort, que l'intégration s'est faite le plus facilement. Je peux citer l'exemple de la communauté juive, bien évidemment, mais la communauté libanaise, la communauté arménienne, la communauté chinoise, où qui ont ces personnes appartenant à la communauté sont à la fois des citoyens français totalement intégrés, actifs dans la société française en tant que citoyens, et en même temps, tout à fait fortement inclus et fiers d'appartenir à cette communauté d'origine, parlant la langue, même si on est depuis deux, trois générations en France, parlant l'arménien ou parlant le chinois ou parlant l'hébreu, etc., etc. Et donc, il se trouve qu'au contraire, ceux qui n'ont pas cette force de la communauté, de cette valeur qui a été transmise par les anciens, cette valorisation de la culture d'origine, eh ben, il y a des problèmes. Et je discutais avec des imams maliens à propos de l'éducation. Et ils m'ont dit, nous, on a échoué parce qu'on n'a pas réussi à transmettre nos valeurs ancestrales que nos parents eux-mêmes nous ont transmises et nos enfants sont devenus délinquants. Parce que justement, il n'y avait pas cet esprit, cette valeur communautaire. Donc je pense que ma réflexion ici, ma proposition, c'était de repenser tout ça, repenser la laïcité vis-à-vis de la liberté religieuse, repenser l'intégration vis-à-vis du communautarisme, etc., etc. Et vis-à-vis d'autres pays où les choses se passent différemment. Je pense entre autres aux pays anglo-saxons et à la Turquie, par exemple.